Salut mes petites oranges, et on se retrouve pour une vidéo sur Star Stable où je vais faire la mise à jour du 13 juillet 2022. Donc ce sera une quête en rapport avec l'hôtel Wolf Hall. Donc faudra aider tout simplement le gérant parce qu'il y aura des visiteurs. Voilà, c'était juste ça en fait. Bon, sinon la semaine prochaine, on va profiter de l'été à la plage. Parce que oui, ça va être la petite fête. Bon, c'est un truc qui est souvent là dans le jeu, là, les petites fêtes à la plage. Voilà, on peut voir que c'est vraiment pas une grosse mise à jour, c'est juste une quête. L'hôtel Wolf Hall accueille actuellement des touristes étrangers. J'aimerais pouvoir dire que tout se passe bien, mais il semblerait que quelque chose les préoccupe. Et ils refusent de me dire quoi. Tu veux bien leur parler? En tant que gérante, je veux m'assurer que leur séjour soit aussi agréable que possible. Mais ils refusent de me dire ce qui ne va pas. Une de nos clientes est une botaniste qui explore la région dans le cadre de ses recherches. Elle veut aussi trouver un endroit où organiser des conférences. Ed est ravi parce que ça peut nous apporter encore plus de clients à l'avenir. Je l'ai entendu ronchonner et marmonner toute seule, surtout quand elle mange au restaurant. J'ai peur que quelque chose n'aille pas avec la nourriture que nous servons. Bonjour ma petite, que puis-je faire pour toi? Au fait, est-ce que tu habites par ici? Tu serais peut-être en mesure de nous aider. Alors nous avons fait le tour de Jorvik pour découvrir les différentes écuries et décider dans laquelle envoyer nos filles l'été prochain. Notre séjour était un peu plus long que nécessaire au cas où un imprévu se produirait alors qu'il nous reste quelques jours où nous n'avons rien de prévu. À Jorvik, la meilleure chose à faire est de monter à cheval, bien sûr. Votre mère est fatiguée après avoir conduit partout, merci de respecter cela. On devrait essayer de trouver quelque chose de plus reposant. J'ai tout entendu, Marguerite. Après tout, ils ne sont pas particulièrement discrets. Il est temps de nous creuser la tête. Notre clientèle cherche quelque chose à faire dans les environs. Cela ne manquerait pas d'arriver à nouveau avec les invités qui viennent ici pour des conférences et qui ont ensuite quelques heures de libre. Ah, voilà. Les idées affluent maintenant dans mon esprit. Mais pourquoi il a abonné? Enfin bon. Les hôtels et auberges ont souvent un stand de brochures avec des suggestions d'événements et d'activités locales. Alors pourquoi pas nous? Ton téléphone n'a pas un bon appareil photo? Qu'est-ce que c'est que cette antiquité? Je pensais que tous les jeunes voulaient un téléphone dernier cri. Très bien, tu peux emprunter mon appareil photo. Rends-le-moi quand tu auras fini. Ok, donc faut rendre des photos depuis ici. Bon, de toute façon, ça va pas être trop compliqué logiquement. Ok. Ouais, c'est... Donc en fait, il va suggérer de soit brûler des chamallows. Non, je rigole, je sais pas en fait. C'est juste pour faire des photos comme ça, mais oula. Ouais, comme je suis pas toute seule, forcément, il y a cette demoiselle qui s'était mise devant. Bon, de toute façon, c'est juste une quête, hein, donc on s'en fout des photos, mais bon. Oui, c'est bien, mais un seul endroit ne suffisait pas. Les gens aiment avoir le choix. On dit que les gens du coin connaissent souvent les meilleurs endroits. Pour tout, pourrais-tu aller demander à Madame Pic si elle connaît de bons coins pour les pique-niques dans la forêt à Grindel. Bon, j'en profitais pour parler à la botaniste pour voir, mais bon. Alors, on dirait quelque chose me préoccupe et tu te demandes si cela ne concerne pas l'hôtel. Eh bien, plus ou moins. Mère nature est merveilleuse. La forêt de Grindel, pas loin d'ici, en est la preuve. Mais la nature ne peut pas continuer à donner si on ne fait que de lui prendre sans discrimination. Allez, bon. Je suis venue étudier la flore locale. Plusieurs plantes sauvages sont de plus en plus rares dans la nature. Même si la GED a clairement empiré la situation, elle n'est pas la seule responsable. Est-ce que je peux faire quelque chose pour aider? Je réfléchis à des idées, justement. Le menu de l'hôtel Wolf utilise une plante, le thym sauvage jorvikois, qui est plus en plus rare dans la nature, mais est relativement facile à faire pousser dans un jardin si on sait comment s'en occuper. Les graines de la plante devraient avoir commencé à mûrir à cette époque. Alors je songeais à aller en récupérer quelques-unes pour les offrir à l'hôtel. Ok, là j'ai un bug bizarre, j'en vois même plus. Bon alors sinon... Ah ouais, ok, c'est bon. Tu veux m'aider? C'est très gentil de ta part, merci. Tu peux te déplacer beaucoup plus vite que moi, puisque tu as un cheval. Alors est-ce que tu veux bien aller récolter des graines? Voilà une fiche de référence pour te montrer de quoi chercher. Alors j'ai un premier truc à faire ici. Bon, je pense que c'est pour les photos. Parce que oui, maintenant j'ai deux quêtes à faire. Et qui est-ce que... Mon dieu, comment je lag. C'est parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Mais bon. Ah non, je devais juste trouver le panneau. Bon, ok. Bon, bizarrement, on m'a demandé de retourner en arrière, donc j'ai pas tout compris. Oui. Enfin, ouais, je suppose que je dois examiner chaque endroit, parce que... Ok, en fait, je suis vraiment pas maligne. Je suis pas retournée en arrière, je suis bien rentrée dans la forêt. J'ai cru que j'avais retourné en arrière, mais...
Bon, c'est pas grave, en tout cas, j'ai trouvé une des fleurs, voilà. Bon, au moins, cette plante ne donne pas encore de graines. Ah, d'accord. En plus de ça, faut bien faire attention. Bon, celle-ci, c'était bon. Ouais, en fait, ça va dépendre de la plante, parce que j'ai vu qu'il y en avait une autre là-bas, donc on va voir si celle-ci, c'est bon. Ok, ça allait aussi. Bon, ça va, j'en ai trouvé deux pour le moment. Bon, logiquement, il me reste qu'une, donc je sais pas si celle-ci, ça ira. Ok, c'est bon. Bah, en fait, il y a que la première qui était... qui était pas encore mûre. Hein. Ouais, j'ai eu de la chance avec cette plante. Bon, sinon, maintenant, j'ai encore les endroits à vérifier. Ouais, c'est pour expliquer que le tronc d'arbre, ça va. C'est pas encore trop chiant. Ouais, j'avais oublié que c'était Madame Pig. Bah oui, c'est logique. J'avais un peu oublié qu'elle s'appelait comme ça. Alors, Ed veut que je te parle de la région. Eh bien, nous avons un emplacement pour barbecue et une belle zone juste à côté de notre maison où l'on peut pique-niquer. Nous ne serions certainement pas contre une augmentation de nombre de visiteurs. Cela nous ferait de la compagnie, surtout qu'il s'y intéresse aussi à la pêche. Ouais. En plus, elle a l'air bien avec le poisson dans sa main, comme ça. Il y a aussi un joli endroit dans la forêt avec une vue magnifique, s'il préfère avoir un peu d'intimité. Laisse-moi te montrer où se trouve cet endroit sur la carte pour que les clients et toi, nous ne vous perdez pas. Malheureusement, les petits sentiers ne figurent pas sur la carte, mais tu peux peut-être les dessiner ou prendre des photos pour aider les touristes à trouver leur chemin. Prends soin de toi. D'accord, donc j'ai encore d'autres endroits à regarder, en fait, mais... j'adore quand ça ralentit. Ouais, c'est vrai que c'est chiant ces derniers temps que j'ai ça, mais qu'est-ce que vous voulez. Ouais, donc forcément, ça va prendre des petites photos, d'accord. Bon, j'arrive au dernier endroit parce que, bon, j'ai pas tout filmé parce que ça servait à rien. C'est toujours les mêmes trucs, soit les endroits à contourner, soit les endroits à pique-nique, enfin bon. Mais au moins, c'est terminé, donc logiquement... ouais, je peux y retourner, donc ça va. Alors, je devrais être prête à parler au propriétaire de l'hôtel maintenant. Le mot-clé étant devrait... Cet homme semble un peu excentrique, je ne sais pas comment l'approcher. Tu le connais, alors qu'est-ce que je peux te demander encore un service? Parle-lui pour découvrir s'il accepterait de rendre son hôtel et sa cuisine plus durable. J'ai eu une super idée d'activité touristique qui plairait sans doute à de nombreux clients de l'hôtel. Et oui, en association, les centres d'intérêt que sont l'équitation... Et l'écotourisme, l'hôtel touche la majorité des gens. J'ai passé un accord avec les gens de la ferme Golpur. Ils vont créer une petite course pour débutants non loin d'ici. Cependant, une partie de leur équipement a été envoyée ici et pas chez la personne qui organisait tout. Bien, très bien. Ces photos pittoresques vont certainement attirer les voyageurs fatigués qui cherchent un endroit paisible pour un pique-nique ou un barbecue. Excuse-moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre... Ces zones sont accessibles au public? Mais oui, elles ont toutes des paysages uniques et magnifiques, selon ce que vous préférez. Laquelle recommanderez-vous alors? Bon, très bien, vu qu'ils sont fatigués, la colline, c'est peut-être un peu trop pour eux. Je vais dire la forêt, en espérant que ça ira. Ça semble merveilleux, merci beaucoup pour la suggestion. Alors, je suis content que ça finisse par marcher. Grâce à mon sens des affaires et de ton aide, nous avons atteint notre objectif et trouvé quelque chose pour faire plaisir à nos clients, quoi. Alors sinon, on va chercher un panier pique-nique au stand de l'héberge. Voilà, j'y suis. J'ai peut-être été un peu trop vite. Non, je voulais juste prendre ce qu'il m'avait demandé. Alors sinon, j'avais ça. Alors j'ai déjà zappé. Mais oui, c'était l'équipement qu'il fallait prendre. Oui, c'est juste. Bon, voilà, comme ça. Voilà. Ça te va très bien, Comba. Bon, ok, je vais quand même aller lui parler parce que j'ai trouvé la nourriture, mais... Merci beaucoup d'avoir fait des pieds et des mains pour nous trouver quelque chose à faire, ma chérie. Elle m'a dit que tu les avais aidés à prendre des photos et à écrire sur les endroits des environnements des clients pour pouvoir aller pique-niquer. J'ai aussi vu les parents de la famille qui n'arrêtaient pas de se chamailler et charger un grand panier à pique-nique dans leur voiture. J'espère qu'ils ont mis leurs différends de côté. Voilà, j'ai eu... Oh purée, mais c'est quoi ce cadeau? On m'a offert une saucisse. Bon, on va peut-être terminer avec l'autre madame, alors. Ok, je suis arrivée, donc ça a l'air d'être ici. Hein. Et voilà, mademoiselle. Alors, tu viens de l'hôtel pour essayer la course. Super. Ce n'est pas facile de créer une œuvre d'art sans public. Alors, avoir une cavalière à consulter va m'aider. Alors, monsieur Field est venu me voir après avoir conclu un accord avec Auguste et Eden. De la ferme Golpur. Je ne connais pas les détails, mais nous espérons avoir des visiteurs de l'hôtel. Alors, je gère les pistes de course de la ferme Golpur. Alors, c'est à moi qu'on a demandé d'organiser une nouvelle course pour l'hôtel.
people all the noise. They ask me why, but I didn't have a choice. Heavy mist falling, hiding what I'm hiding from. I can't turn back, I'm so far away from home. In the heart. Purée. Alors vous le verrez pas au montage parce que j'ai accéléré la vidéo, mais pff, mon dieu, ça a lagué à mort de mon côté. Bon, sinon je dois encore agrandir un peu le parcours et remplacer les obstacles. Une cliente a des jugections pour rendre mon commerce plus durable. Alors, je peux rien promettre, mais je veux bien l'écouter. Bon, étant donné à quel point elle était terrifiée de parler à Ed, je ne vais pas trop m'éloigner. Oh, bonjour Marguerite. J'ai l'air abattu. Ed m'a dit qu'il achèterait toute la nourriture à ses fournisseurs. Enfin, c'est évident, je sais, les cuisiniers ne vont pas cueillir des choses dans la nature eux-mêmes. Je me sens si stupide, je suis désolée de t'avoir fait perdre ton temps à récolter les graines pour moi. J'ai tendance à devenir obsédée quand je crois avoir trouvé une solution à un problème. Tout n'est pas perdu, chère cliente. J'ai maintenant appris que la plante était menacée et je vais en limiter l'achat. Ce n'est pas parce que ça n'a pas marché du premier coup que l'idée était mauvaise. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que Madame Pic pourrait faire concernant cette plante menacée, même si on l'informe qu'elle est menacée. C'est une pêcheuse, pas une fermière. Je ne crois pas qu'on devrait attendre qu'elle fasse pousser cette plante en plus de son travail. Oh, mais c'est aussi injuste de ma part de partir du principe qu'elle ne le ferait pas juste parce que ce n'est pas son métier. Alors tu devrais aller lui parler. Après tout, si les gens ne faisaient jamais rien d'étonnant, je ne serais pas le grand entrepreneur que je suis aujourd'hui. Et toi, tu ne serais pas... peu importe. Je ne devrais pas perdre plus de temps à bavarder alors que je dois continuer de faire fructifier mon entreprise. Il y a une fille là-bas, celle qui agit la main. Elle regarde dans ta direction depuis un moment. J'apprécierais vraiment que tu essayes les modifications que j'ai apportées à la cour. Tu as un service à rendre de l'autre côté de la forêt de Grindel, pas de problème. Tu n'es pas obligé de faire la course complète si tu n'as pas le temps. Les grandes modifications ont été apportées au début du parcours, alors fais juste les parties qui sont sur le chemin de la destination. Merci de m'avoir informé, mais pourquoi est-ce que tu me donnes ces graines? Alors nous sommes fiers que nous faisons et nous devons prendre soin de l'environnement. Mais je n'ai aucun besoin de ces graines. Je n'ai pas de pot de fleurs ni la main verte pour faire pousser des plantes. C'est un miracle que nos roses soient aussi belles. C'est peut-être mieux de les rendre à la nature et les disperser dans la forêt. Une cliente de l'hôtel voulait vraiment que je les aie. Désolée, mais je n'ai vraiment pas l'utilité. Si tu as peur de la rendre triste en lui disant la vérité sur ce qui s'est passé ici, eh bien, parfois, un petit mensonge peut être la meilleure solution. C'est quelque chose que tu dois décider par toi-même. Alors, tu as pris ta décision. Pour répandre les graines, pourquoi ne pas te promener dans la forêt avec la pochette de graines ouvertes? Comme ça, en retournant à l'hôtel, tu en feras tomber petit à petit. Je vais mentir, hein, comme elle a dit l'autre fille. C'est génial, je suis si contente que ça ait marché. Merci de m'avoir raconté comment ça s'est passé. Maintenant, je peux me détendre et ne pas me sentir trop coupable à propos du menu du restaurant. On dirait que les nuages noirs au-dessus de la tête de nos clientes botanistes se sont dispersés. Oh, et avant que j'oublie, Ed m'a dit que la course que l'hôtel est en train de mettre en place sera disponible pour toi quand tu voudras, dès qu'elle sera prête.
J'espère qu'à l'avenir tu passeras à nouveau par l'hôtel Wolf. Est-ce que soit pour te reposer parce que ta prochaine aventure t'amène ici. Bon, ok. Bon, j'avoue, j'ai lu un peu vite fait parce que j'étais contente que ça se finisse parce que. On va pas se le cacher, je lag un peu trop. C'était hyper compliqué quand c'était les courses. C'est vrai que de base, je devais bientôt finir mes vidéos mises à jour quand je serai à la 200e vidéo. Bon, j'y suis bientôt, heureusement. Parce que là, ça devient compliqué. Après, je dis que c'est un joli vert, mais c'est assez vif comme vert. Attendez. Bon, même si c'est ma couleur préférée, le vert. Bon, le bleu ressort mieux parce qu'on voit bien qu'ils ont juste mis de la couleur. Bon, ça peut être intéressant avec un équipement assorti. D'ailleurs, contrairement à la bleue que je porte, en fait, la verte, elle a des stades. Oui, parce que la bleue, en réalité, elle en a même pas. Donc, je les mets juste pour faire joli, en fait. Et comme vous l'aurez compris, mes petites clémentines, c'est ici que la vidéo se termine. Donc, j'espère que les lags vous ont pas trop dérangé parce que, bon, c'était pas évident. Donc, j'espère qu'à l'avenir, ça se passera mieux en vidéo. Donc, en tout cas, je vous dis au revoir. Et à bientôt !